Alors, bonjour à tous, heureux de vous revoir, chers amis, vraiment heureux. 19 novembre 2020, 17h34, heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout le brouhaha. Mais c'est juste du brouhaha, rien d'autre. Si vous fermez les oreilles et vous tournez la tête, tout va bien aller. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, la météo armée arrête la centrale électrique de Vladivostok en Russie. La centrale électrique de Vladivostok, en Russie, arrête ses opérations en raison d'un cyclone de neige. De violentes tempêtes pendant la nuit ont apporté des pluies verglaçantes, de fortes chutes de neige et des températures glaciales. À Vladivostok, tôt le matin du jeudi, aujourd'hui, 19 novembre, ce cyclone de tempête armé a fait des ravages dans la région et a incité les responsables de la ville à fermer la centrale combiné de chaleur et d'électricité de Vostatchania à Vladivostok. Il y a beaucoup d'images, je vous laisserai ça. L'alimentation électrique a été interrompue pour 100 000 personnes qui quittent des familles entières, qui laissent des familles entières dans l'obscurité, sans lumière ni chauffage. La glace, on connaît ça ici, on a eu des épisodes de pluie verglaçante. Pendant ce temps, la ville de Vladivostok a été placé sous état d'urgence. Plus de cyclones de tempête extrême sur place. Donc, vraiment une situation critique. Tempête de verglas inhabituel qui frappe la Russie centrale et des systèmes clés s'effondrent. Regardez la quantité de glace sur les voitures. Une tempête de verglas inhabituel frappe la Russie centrale et des systèmes clés s'effondrent en Extrême-Orient. Des tempêtes de verglas non saisonnières ont frappé de nombreuses régions de la Russie les 18 et 19 novembre 2020, provoquant des pannes de courant, un chaos de la circulation et l'effondrement de systèmes d'infrastructures clés en Extrême-Orient. Une tempête nocturne accompagnée de vents forts du nord et de pluies de glace décrite par le Siberian Times comme une apocalypse. Voyez-vous encore les termes, je vous en parle souvent, hein? Météorologique a provoqué l'effondrement de systèmes clés dans l'Extrême-Orient russe le 19 novembre 2020, laissant au moins 120 000 personnes sans électricité, Vladivostok et la majeure partie de la région de Primorie ont été transformées en terre gelée, a rapporté le journal, ajoutant que des centaines de lignes électriques avaient été coupées par la neige et la glace mouillée. Les conditions météorologiques ont causé des retards de vol et le chaos de la circulation après la fermeture de nombreuses routes et plusieurs ponts. Les écoles et les jardins d'enfants ont également été fermés. Une énorme dalle de béton est tombée sur une voiture à Vladivostok, le propriétaire de la voiture y ayant échappé par miracle. Des pluies verglaçantes non saisonnières ont commencé dans le centre du pays à la fin du 18 novembre, affectant la capitale Moscou et sa région ainsi que Kalouga, Smolensk et Toula. L'aéroport de Moscou aurait annulé environ 30 vols en raison de la pluie verglaçante. La zone de glace se déplacera vers l'est demain, le 20 novembre, de sorte que les pluies verglaçantes atteindront la région de Volga-Vyatka dans la soirée, rapporte Orienda. Wow! Les autorités, naturellement, exhortent les résidents à faire très attention et à rester à la maison si possible. Rien qui ne va plus, rien ne va plus, c'est partout. C'est sur l'ensemble du territoire mondial, de la planète, hein? Un grand bordel climatique qui va finir comment? La fin n'est pas pour demain et on va avoir beaucoup, beaucoup de complications. Énormément des famines. D'ailleurs, l'ONU nous annonce probablement pour 2021 une grande famine pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos frères et nos sœurs à travers cette belle planète. Donc, 2021 ne sera pas plus rose. Ça va. C'est le début d'un chapitre biblique, comme je vous le dis souvent, qu'on est en train d'écrire. Ce qu'on va lire dans plusieurs milliers d'années ou centaines d'années, à partir d'une couple de centaines d'années, comme on l'a fait avec l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament, qui était dans le fond, on écrivait ce qu'on avait vécu, qui sont des événements bibliques. L'Apocalypse s'est vécu, ce qu'on appelle l'Apocalypse, qui n'est pas l'Apocalypse, tout ce qui est écrit là-dedans, ça s'est vécu avant qu'on l'écrive. Quand on l'a écrit, ça s'était déjà passé. L'Apocalypse, ça n'annonce pas ce qui s'en vient, ça décrit ce qui s'est passé. Ben, c'est exactement ce qu'on va. On vit, nous autres, on la vit maintenant, l'Apocalypse moderne, ça sera écrit. Et on lira ça dans
futur, rapproché et lointain. Je vous reviens.